Salut tout le monde, c'est Raiden, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay sur Call of Duty Ghost. C'est une KEM à la Remington R5 sur la map Strizon, avec un score final de 38-1. Donc 38 de ratio, c'est plutôt pas mal. Et un gunstreak de 34 gunstreak, il me semble. Donc tout d'abord, voilà, j'ai accéléré le gameplay parce que bon. On va dire qu'il y avait à peu près 30 secondes de vide et de passage inutile. Et ensuite, je voulais vous. Enfin, il faut que je vous dise que voilà, il n'y a pas le son du gameplay, vous l'avez remarqué de toute façon. Et je tiens à m'en excuser parce que tout simplement c'est de ma faute. Le gameplay date d'il y a une semaine. Et il y a une semaine, j'avais pas fait les bons réglages pour l'AVRmedia pour qu'il y ait le son du gameplay et le gameplay sur Sony Vegas. Donc voilà, je suis désolé, j'espère que ça va pas faire trop bizarre. Je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Me donner vos avis et bon vos critiques si vous en avez. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Donc moi je vais un peu parler du gameplay. Donc je joue à la Remington R5 sans le silencieux. Je vais un peu dire pourquoi j'ai joué avec cette arme. Voilà, etc. Donc déjà cette arme, je vous la conseille énormément. Donc je répète, c'est la Remington R5. Donc c'est une arme très puissante, précise. Et vraiment bah, déjà beaucoup utilisé, que ce soit dans le DE bah, justement de Ghost, c'est vraiment l'AR de base. Et donc voilà, j'ai joué dans le mode, enfin c'est en domination sur Heavy Duty, enfin Duty, voilà, peut-être qu'on va se foutre de ma gueule, j'ai un accent pourri en anglais, c'est un truc de ouf. Mais en français, c'est le mode Travail au risque, c'est le mode où il y a plus de points de vie, donc en gros c'est un peu, on va dire... Ouais, c'est des mixtes, hein. C'est du mixte. Il y a des rushers et il y a des campeurs, donc on a plus de points de vie, donc on a tendance à être un peu plus bourrin, quoi. Enfin, ça dépend. Et bah voilà, j'ai joué sans le silencieux. Moi, je trouve qu'une arme précise et puissante, vraiment pas besoin d'un silencieux. Moi, personnellement, je mets vraiment un silencieux sur une arme quand elle a du recul, ou alors vraiment que c'est un soir, je suis fatigué, j'arrête pas de loucher. Au moins, je suis sûr que je me frappe pas un duel furtif dans le dos ou quoi. Parce que vu que je louche, je risquerais de perdre le duel ou quoi. Mais là, franchement, avec une arme précise et puissante, pas besoin de silencieux, j'ai envie de dire. Si vous jouez au son et que vous êtes vraiment un bourrin, à vous de gérer les duels derrière, à gauche, à droite. Et puis encore, moi, c'est mon style de jeu, je kiffe avoir des duels assez souvent. Sauf que oui, bon, dans le gameplay, ça me fait un peu mentir. J'essaye de, on va dire, de maximiser et assurer mes kills. Regardez, vous voyez que je regarde souvent, je jette un coup d'œil à B, dans le magasin de C, etc. C'est une fois vraiment que je suis en série, ben, j'essaye d'assurer ma série parce que voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de tenter la double, la triple KM. Je sais que je passe pour un prétentieux quand je parle de triple KM, mais voilà, je voudrais vous dire que j'ai déjà fait la double KM, mais malheureusement, j'avais pas le boîtier à cette période-là. Donc voilà, tant pis pour moi, mais la double KM, ce qui est sûr, pardon, c'est que je l'ai déjà fait en hardcore à la SE 2010 sur Octane. J'ai pas de preuves, voilà, je peux pas dire que je l'ai fait vraiment, mais moi ce que je sais c'est que je l'ai fait et qu'il y a vraiment moyen de faire la triple. Parce que bah, déjà la triple a déjà été faite. Hein. Vous avez déjà vu le gameplay des SLB. Bon après c'était pas un lobby de ouf et justement bon c'est pour ça que c'est faisable aussi la triple avec les lobbies qu'on peut se frapper des fois. Mais voilà, ce qui est sûr c'est que la double est faisable et la triple est faisable vraiment si c'est vraiment un peu un gameplay de ouf en full rush etc. Moi ce que je fais c'est que je joue beaucoup en hardcore pour tenter la double et la triple. Ça peut se faire en éclair, enfin en éclair aussi, mais il faut vraiment bien compter sur les alliés et sur les ennemis. Il faut les bloquer dans le spawn, il faut avoir des alliés qui capturent pas, sinon c'est un peu la merde. Ça va pas durer assez longtemps pour déjà faire une simple, enfin pouvoir une double, une simple, oui quand même. On parle de 24 kills sans mourir, c'est faisable. Enfin bon, voilà. Donc voilà, je suis un peu désolé pour vous, c'est la rentrée. D'un côté, c'est plutôt pas mal parce que certains passent le bac bientôt. Je vous souhaite une bonne chance. Et voilà, je compatis que voilà, c'est la reprise des cours. Moi, personnellement, j'ai plus les cours. Et je suis déscolarisé, voilà, et je suis en recherche de travail. Mais bon, voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en rentrant des cours. Regarder une vidéo, que ce soit la mienne ou n'importe, que vous passez du bon temps, c'est le plus important. Donc, je voulais aussi faire une petite annonce. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne.
Les nouveaux arrivants, on va dire, de la Reborn Clan, qui sont venus sur ma chaîne. Je vous fais vraiment tous une grosse dédicace. Je vous remercie du fond du cœur, ça fait super plaisir. J'ai eu certains commentaires sur la vidéo. J'ai vraiment eu un gros sourire, ça m'a fait super plaisir. Je suis content qu'il y ait des gens qui maintenant, on va dire, me connaissent. Ce que je compte faire avec vous, c'est passer du bon temps avec vous. C'est-à-dire vraiment, déjà les demandes d'amis sur le PSN, je vous le dis, on peut jouer ensemble, il n'y a pas de souci. Juste que bon, voilà, j'espère que ça sera pas un peu chiant pour ma PS3, parce que ma PS3 elle est un peu fatiguée, et des fois elle a tendance à bug. Enfin bon, voilà, c'est la fin du gameplay. Une énorme dédicace à tout le monde, je suis vraiment content d'avoir rejoint la Reborn. Je vous fais des bisous sur les molaires, sur les oreilles, sur les lèvres. Enfin bon, vous m'avez compris, vous connaissez le bail. Ciao ciao les gens, peace.